Bonjour, Trash, Cash, mais aussi Fleur Bleue, les adolescents raffolent des séries. Alors, ils ont la télécommande et nous, nous avons le décodeur avec Xavier Pomereau. Bonjour Xavier. Bonjour. Tout de suite, une question pour vous, c'est Sébastien qui vous la pose. On nous dit depuis 10 ans que la télé-réalité est partout, qu'elle propose un modèle de vie contestable aux adolescents. En regardant mon entourage, j'ai plutôt l'impression qu'ils sont attirés par des séries américaines ultra réalistes, trash, qui proposent un modèle de vie totalement en décalage par rapport à la réalité et par rapport à leur âge. Qu'en est-il ? Alors pourquoi cette folie des séries ? Pourquoi ils les consomment avec autant d'envie ? Ben, ils sont plus souvent sous la couette avec leur ordinateur à regarder des séries que devant la télé avec les parents dans le salon. Ça, ils détestent. Alors les séries, ben, évidemment... C'est court ? Donc c'est déjà, court, pas c'est des se petites unités de temps. Il y a toujours une suite, il y a toujours une trame, des personnages qu'on connaît très bien, et puis des personnages qui viennent s'ajouter. Et ça se déguste. Parce comme que, un paquet de cornflakes. Ben oui, n'oublions pas qu'ils sont tous consommateurs, mais là, il faut jouer sur les mots. Ils comment sont consommateurs. Ah, ils regardent beaucoup, ils dégustent ça comme des bonbons. En fait, ils regardent des séries comme s'ils dégustaient des cornflakes dans leur lit. C'est comme ça qu'il faut se les représenter. D'accord. Et alors, qu'est-ce qu'ils y trouvent dans ces fameuses séries ? Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui dans les séries qui leur fait envie ? Eh bien, ils y trouvent les mêmes choses que dans la télé-réalité, c'est-à-dire des situations hyper réalistes. Mais un peu caricaturées, mais même. Très, très caricaturales. C'est en général un groupe d'ados. À l'intérieur du groupe d'ados, il y a un cas particulier. Alors, c'est un ado qui a un problème. Soit il est trop petit, trop grand, trop gros ou trop maigre. Ou alors il a une orientation sexuelle différente, ou alors il a connu un drame dans sa famille et c'est un grand secret. Bref, il est différent des autres et tout va se jouer autour de lui. Et évidemment, chaque épisode en général de la série va traiter un cas après l'autre. Il raffole de ça. C'est un peu du théâtre, hein, ce qu'on parle de la télé-réalité, parce que la télé-réalité, finalement, c'est plutôt Fleur Bleue, hein, quand on regarde. Hein, c'est un peu les amours de 13-14 ans, plutôt que le côté trash que l'on peut trouver dans ces séries-là, parce que c'est quand même ça qu'on retrouve aussi. Ben, vous définissez très bien les choses. Je crois que trash, il en faut pour eux, c'est-à-dire un peu de poubelle, un peu de choses un peu sales. Ça fait exorciser aussi un peu certaines choses, peut-être. Cash, il faut des choses directes, au comptant, comme le dit le mot, et pas de la langue de bois. Fleur Bleue, parce que c'est des adolescents, contrairement à ce qu'on peut penser, ils sont romantiques, ils aiment les émotions, les sentiments, ils aiment vibrer, ils n'aiment pas seulement les sensations fortes, ils aiment aussi les émotions, ils aiment bien verser une petite larme. Donc finalement, il n'y a pas vraiment lieu de s'inquiéter quand les parents disent que leurs ados regardent des séries débiles. Finalement, ça sert aussi à quelque chose. À condition qu'ils ne passent pas leur temps à regarder, bien sûr, des séries sous la couette au lieu d'aller dormir quand c'est l'heure et que le lendemain, il faut partir au collège à 6h du matin pour prendre son bus ou son train. Eh bien, nous, on vous retrouve pour le prochain épisode, la semaine prochaine, avec Xavier Pomereau. Très bonne fin de journée.